Bonjour. Les styles parentaux. J'ai tenté de créer un petit tableau afin d'appuyer la compréhension des styles parentaux. Aujourd'hui, on va explorer un peu le style parentaux négligent. On peut voir que le style négligent est loin de l'affection et loin de l'encadrement. Alors, dans un style négligent ou désengagé, les parents ont un bas niveau d'encadrement et aucune affection. Alors, ça, c'est vraiment laisser faire. Ça fait que le style de parent ici, les enfants n'ont peu de sensibilité, peu d'affection, aucun appui affectif émotionnel et aucun encadrement, aucune routine, aucun règlement ni discipline. Alors, les enfants du parent du style désengagé s'occupent plutôt d'eux-mêmes et n'ont pas de limites. Si on se rend au style autoritaire, ici, on peut voir qu'il y a beaucoup d'encadrement, mais peu d'affection. Alors, dans un style autoritaire, c'est là où l'enfant a beaucoup d'encadrement, beaucoup de limites, beaucoup de routines. Et si l'enfant ne répond pas aux besoins du parent, tant qu'à les règlements, il y a un niveau de punition pour l'enfant. Alors, ce parent n'appuie pas nécessairement le niveau d'affection, mais plutôt le niveau d'encadrement. Il faut se souvenir, comme j'ai dit tantôt, que le style autoritaire, ou tous les styles, n'est pas blanc ou noir, mais plutôt un positionnement dans un carré. Alors, nous pouvons avoir un parent de style autoritaire qui a un pourcentage, un petit pourcentage d'affection, mais les autres, aucune affection. Ou ça dépend où on se place. Il est important en tant que parent de vivre des introspections envers notre approche auprès de nos enfants et quel genre d'outcome qu'on recherche ou quel est l'impact chez l'enfant. Voilà.